Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct sur les plateformes digitales officielles de la présidence de la République de Guinée, notamment Facebook et YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons suivre ensemble le film du cérémonial d'accueil réservé à l'illustre hôte que le président de la République, son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, reçoit en terre hospitalière africaine de Guinée. Il s'agit du président de la République sœur du Sénégal, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Ce voyage du président sénégalais en Guinée marque la deuxième rencontre entre les deux chefs d'État en l'espace de 2 mois. La première ayant eu lieu en avril dernier, quand le général Mamadi Doumbouya s'était rendu au Sénégal dans le cadre de l'investiture de son homologue. La visite du président Bassirou Diomaye Faye ce jeudi 24 mai 2024 à Conakry est placée sous le sceau du travail et de l'amitié. Il est exactement 18h passé de 11 minutes. L'avion transportant le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Le chef de l'État sénégalais sera accueilli d'un instant à l'autre par son homologue et frère, le président Mamadi Doumbouya. En tout cas, tout est mis en œuvre ici même à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry pour offrir un accueil digne de nom à l'homme d'État. D'un moment à l'autre, donc, le président de la République de Guinée, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, va accueillir son illustre hôte, le président de la République sœur du Sénégal, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Je le disais tantôt, cette visite du président Bassirou Diomaye Faye ce jeudi 24 mai 2024 à Conakry est placée sous le sceau du travail et de l'amitié. Le président Bassirou Diomaye Faye, il faut le noter, va fouler pour la première fois le sol guinéen en tant que président de la République du Sénégal, et ce, dans le cadre d'une visite officielle de travail et d'amitié. Nous sommes en direct sur les plateformes digitales officielles de la présidence de la République de Guinée, notamment Facebook et YouTube. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes en direct de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Le président Mamadi Doumbouya se dirige maintenant vers l'avion transportant son homologue sénégalais. Le président Mamadi Doumbouya
traverse la haie d'honneur. Il se dirige maintenant vers l'avion transportant le président sénégalais. Il faut rappeler que ce voyage du président sénégalais en Guinée marque la deuxième rencontre entre les deux chefs d'État en l'espace de 2 mois. La première ayant eu lieu en avril dernier, quand le général Mamadi Doumbouya s'était rendu au Sénégal dans le cadre de l'investiture de son homologue. Cette visite est bien sûr une visite officielle de travail et d'amitié. Président Bassirou Diomaye Faye va descendre d'un moment à l'autre. Il est attendu au bas des marches par son homologue, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Le président Bassirou Diomaye Faye descend maintenant les marches de l'avion. Les membres de sa délégation qui descend maintenant le président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Une chaleureuse accolade suivie d'une chaude poignée de main scelle cette rencontre de deux grands hommes d'État africains qui ont pour objectif commun non seulement de renforcer les liens bilatéraux entre leurs nations au bénéfice des peuples sénégalais et guinéens, mais aussi promouvoir le panafricanisme pour l'unité du continent. Les deux chefs d'État se dirigent maintenant vers le perron où ils vont rendre les honneurs à leurs drapeaux respectifs à travers leurs différentes hymnes nationales. Après donc l'étape des hymnes, les présidents passent en revue la troupe. Avant de rejoindre les officiels sur la haie d'honneur pour les salutations d'usage.
la haie d'honneur, nous avons les officiels composés de la haute hiérarchie militaire, notamment le chef d'état-major général de l'armée, le haut commandant de la gendarmerie nationale, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de mer et de l'air, les directeurs généraux de la douane, de la police et du corps des conservateurs de la nature, suivis des présidents des institutions républicaines, à savoir le CNT, la HAC et la grande chancellerie des ordres nationaux du mérite. Ensuite, le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre directeur de cabinet de la présidence, c'est maintenant au tour des membres du gouvernement de saluer l'hôte du président Mamadi Doumbouya. Les salutations se poursuivent du côté des membres du gouvernement. De bienvenue des membres du gouvernement au président de la République sœur du Sénégal. Maintenant, au tour des chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales, d'être salués par le président Bassirou Diomaye Faye. Élu à la magistrature suprême du Sénégal avec 54,28% des suffrages valablement exprimés, le président Bassirou Diomaye Faye fut officiellement installé dans ses fonctions le 2 avril 2024 au cours d'une grande cérémonie d'investiture, cérémonie à laquelle notre cher président Mamadi Doumbouya a pris effectivement part. Les salutations se poursuivent du côté des chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales.
sommes en direct de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Le président de la République sœur du Sénégal foule pour la première fois le sol guinéen en tant que président du Sénégal. La communauté sénégalaise vivant en Guinée est aussi présente ici à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry pour accueillir leur leader. Les salutations se poursuivent. Le président Bassirou Diomaye Faye, sous le regard bienveillant du président de la République de Guinée, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, salue chaleureusement les officiels présents sur la haie d'honneur. Maintenant, les conseillers le président sénégalais présente les membres de sa délégation à son homologue et frère Les deux chefs d'État se dirigent maintenant vers le pavillon présidentiel où ils auront sûrement un premier tête-à-tête. On peut le dire, sous le magistère du président Mamadi Doumbouya, la Guinée devient le point de rencontre des grands hommes d'État du continent.